Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Minecraft Collection. Alors, aujourd'hui on va continuer à chercher les endroits où on pourrait s'établir. Donc là, il y a quelques caradanges déjà, je vais en profiter pour les prendre. Un peu de blé aussi, tout ce qui est nourriture c'est toujours bon à prendre. Par contre j'ai pas trop envie de m'encombrer avec ici, donc je vais replanter des fois qu'on revient ici. Alors, j'aimerais bien, oui, m'implanter dans un endroit assez proche de celui-ci. Surtout qu'il y a de la lave, donc ça peut nous servir déjà rapidement d'éclairage. Par contre, voyez, les sous-sols sont pas géniaux. C'est la seule chose là qui me gêne un petit peu. Parce qu'il y a énormément de crevasses et tout ça, donc. C'est assez compliqué de savoir où est-ce qu'on va pouvoir s'établir. On est juste à côté d'un truc de. Enfin, il y a pas mal de fleurs par ici aussi. Ah, une sunflower. Ça, c'est cool. Enfin, c'est pour. Tout ce qui est mince, colorant, ça rapporte pas mal. Oui, par ici on serait pas trop mal. Oh, il y a des loups aussi. Ça. Tout ça, c'est des choses hyper intéressantes. Il y en a au moins deux, donc, pour faire de la reproduction. Donc, ouais, c'est décidé. On va des lapins, des ânes. Donc, il y a des chevaux, forcément, pas très loin non plus. Mais un plateau aurait été un peu plus simple. Parce que, ouais, j'aimerais bien m'établir assez rapidement pour commencer à construire le musée et mettre les premiers... Les premiers blocs. Après, le truc, c'est qu'il nous faudrait aussi un désert pas trop loin. Là, c'est un peu compliqué. Ouais, je pense que je vais peut-être partir plutôt de l'autre côté du village. Ouais, même si ici... Ouais, parce que j'aime pas qu'il y ait trop de d'arbres en fait, c'est le meilleur endroit pour les monstres pour se cacher. Donc je vous rappelle, hein, je n'ai pas de régénération de santé. Même si je le vois plusieurs vies quand même, hein, c'est pas... C'est pas une chose. Et je n'ai pas le droit de faire passer les nuits. Donc c'est pour ça aussi, ça serait cool de pouvoir s'établir quelque part rapidement. Et ainsi se mettre au moins en sécurité pour les nuits. J'aurais aimé un petit désert ou un... À mon avis, j'aurais pas de désert proche d'ici. Hein. En plus, il doit y avoir un lac de lave par ici, parce que là, ça a bien brûlé. Ouais, et juste là, il y a une petite fontaine de lave. Et il va commencer à faire nuit. Ouais, ça fait un peu lag d'ailleurs le jeu. Ouais, il n'y a aucun désert dans les parages. J'avais l'impression de voir une jungle aussi, mais bon. Tout ça, ça va être à rechercher de toute façon un peu plus tard. Attends, faut que je redescende. Oh, qu'est-ce que je peux bouffer en plus comme nourriture?
Ouais, c'est bon, la vie ne remonte pas, donc. Le seul moyen pour moi de regagner de la vie, ça va être avec les potions de vie, mais alors ça, j'en suis encore très loin. Et les pommes en or. Alors, je vois que des ânes, je vois aucun cheval. Voilà, après, ça va être peut-être un petit peu l'enfer, ouais. Je pense que on va devoir se limiter à un endroit un peu avec quelques petits trous où se rangeant. C'est-à-dire qu'il va falloir un peu terraformer le terrain. Encore de la lave. Il y en a pas mal par ici, hein. Ou alors sur peut-être là où il y a peut-être un petit plateau qui serait pas mal, mais on serait limité sur la taille. Ce qui ne serait pas forcément optimal non plus. On va aller voir. Ah zut, j'ai loupé mon saut. Ouais bon, de toute façon là je peux rien faire, ouais. Et il y avait un chemin tout près par ici, ok. Ah ici. Ouais, c'est trop limité, hein. Mais ce plateau-là, là, ici, ça a l'air pas trop mal en fait. Bon, on s'est décidé, on va s'installer ici. Parce que de toute façon, j'aurai jamais ce que je veux dans les parages. Je vérifie vite fait. Je trouve rien du tout qui serait intéressant. Des moutons ici, ça c'est pas mal. On n'aurait pas de grand chemin à faire pour les amener. Il y a quelques vaches en dessous, donc je pourrais commencer rapidement à faire un élevage. T'as encore des moutons. Ouais, donc on va se mettre là. Alors, hop, hop. On descend. Oh, l'Enderman. Et merde. Il s'est foutu sur mes yeux, du coup. Il est devenu mad. Ouais, il va se TP. Hop. Alors, je sais pas où il s'est TP, du coup. Et vu qu'il commençait à faire nuit, de toute façon. Voilà, super. Il va finir par mourir tout seul. J'essaie de m'en approcher et le tuer, parce que voilà. Hop, il me drop déjà une perle, c'est cool. Qu'est-ce que je peux jeter? Qu'est-ce que je peux jeter? Hop, on va faire ça. Tac, voilà. Et on va creuser un peu par là. Pour la nuit. Et vu que de toute façon on va s'établir ici, je vais faire une petite caverne là avec quelques coffres pour stocker mes premiers trucs. Donc là, on va refermer. Tac, comme ça ici. On voit s'il fait jour ou pas. Et voilà, hop, la table de craft ici. Maintenant, on fait les coffres. Ouais, un coffre, ça devrait suffire. Un petit coffre simple. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Alors, le fer, on va le laisser là. Le four, je vais le placer d'ailleurs. En
Ensuite. Alors. Tout ça, c'est à placer. Le bois, la laine. Ouais, d'ailleurs, ça, je peux le jeter, étant donné que j'en ai 15, ça sert à rien, je peux rien faire pousser avec. Pour l'instant, ça, on s'en fiche, ça, on s'en fiche. Voilà. Bon, ça sera déjà un poil mieux. Donc, je me mets en décalé, comme ça. Si un archer, il pourra pas m'avoir... en remontant. Mais c'est vrai que d'en bas, dans ces cas-là, je ne verrai pas si il fait jour ou pas. Hop, du charbon. J'en avais pas assez. Que je pourrais me faire. En plus, on a pas mal de forêt autour, donc on aura juste à abattre les arbres s'il faut. Oh, il y a une caverne pas très loin, j'entends déjà les zombies. Je sais même pas à quel niveau on est. On est niveau 47, on a encore le temps. Alors comme d'habitude, hein, question design pour les maisons, ça va être une horreur pour moi. Voilà, il y a des petits zombies. Il y a pas mal de zombies, donc je me demande si c'est pas un spawner même. Du fer, ça c'est cool. Ouais, j'aurais peut-être... Il manque une torche par ici. Ah, déjà, on a passé le spawner, c'est sûr. C'était un peu plus haut. De toute façon, il va bientôt falloir que je remonte vu que je commence à plus avoir de pioche. Okay. Ah, tiens, une petite caverne. Alors le truc aurait été bien là, c'était du gravier, mais bon. Attends, je vais pas laisser ma diorite. Ah non, je l'ai plutôt. Du gravier aurait été pas mal comme ça. Ouais, non, ça va. Hop. Hop. C'est bon. Ouais, il y avait de la lave, je m'en doutais, vu que c'était déjà éclairé. Et c'est éclairé aussi en bas. Des zombies. Bon, oui, qu'il a qu'un seul chemin de toute façon pour venir m'attaquer. Ah, waouh, ok. Et tout a brûlé. Alors, cette caverne-là m'inspire absolument pas confiance. De l'émeraude. Creeper, on a tout ici. Un peu de diamant aurait été pas mal. Ah ouais, non, j'ai pas la bonne pioche. Hop, encore du fer, ça m'en fait combien là? 9. On va bientôt pouvoir commencer à s'équiper. Creeper, je m'y attendais. Merci Creeper.
Voilà. Squelette. Merci. Bon, l'Enderman, il risque de me gêner un petit peu. Lui. On va le tuer. Oula vache. Ouais. J'avais oublié que j'avais pas la régène de vie. Et que là, je commence à y aller un peu trop. Et qu'aussi, je n'ai pas du tout les coordonnées de l'endroit où j'ai commencé à tout... Ouais, hop, je vais me refaire une petite table de craft, hein. C'est pas ça qui va m'embêter. Alors... Tac. Est-ce qu'il y a encore un peu de fer quelque part? Non. Allez, éteins-toi. Oh, y a rien. Encore pas mal de fer. Alors ça, par contre, je suis content. La quantité de fer que j'ai. J'ai pas fini. Et c'est pas fini. Ça m'en fait combien de fer? 37. Bon bah. Et je sais qu'elle... 23. Ah, je suis trop par contre pour dire. Ouais, de toute façon, je suis pas équipé pour. Ouais. Par contre, le bébé zombie que j'entends là me plaît absolument pas. C'est pas par là. Mais j'ai entendu un zombie tomber donc. Ah putain, ouais. Et... On va remonter. c'est par où je suis descendu. Par ici. Parce que là, le prochain coup, je meurs. De toute façon, c'est sûr que je mourrai bientôt, mais... Pour l'instant, je me suis même pas fait de lit pour respawn à un endroit proche, donc... Tant que j'ai pas d'armure, on va éviter de faire n'importe quoi. Et en plus, il refait jour. Donc je vais mettre à fond tout mon fer. 42. Bon, faut 6. Mais bon, il y en a un qui s'est à moitié gâché. C'est pas grave. Voilà. Pour la bouffe, ça va. Par contre, il me faut des moutons. Poulet et les moutons sont là-bas. Ça va être compliqué à ramener les moutons. Ouais, bon. Wow. De toute façon, là, c'est surtout faut que je les tue. Je vais me faire une petite passerelle entre les deux rives, histoire que ça soit plus facile à les ramener. Voilà.
Alors, où est-ce que je les avais vus? Là, ici. Ça me fait 5 de laine. 5 de laine de... Ok. Alors, tous les moutons, je voudrais qu'ils me suivent. Allez, suivez-moi. Bon, j'en ai déjà 3. Ouais, et j'en ai déjà la moitié qui m'ont lâché, donc... Ah, c'est problématique tout ça. Il m'en faut au moins 2 qui me suivent. En 2 secondes, j'ai cru qu'il y avait un creeper qui était en train de nous suivre. Ok, c'est bon, j'ai tout. Bon, il y a un mouton qui est dans la mare, mais bon. Qui devrait du coup être facile à ramener. Un peu plus tard. Donc là, il fallait que j'en ramène au moins 2 ici. C'est chose faite. Comme ça, je peux continuer à repopuler les moutons que j'ai tués. Ok, ça me fait une laine. J'en ai déjà une de prête en blanche. Si je me trompe pas. Donc, il m'en manque encore une. Et je sais que j'avais plusieurs moutons qui m'ont lâché ici, donc. Voilà. C'est parfait, je vais pouvoir refaire mon lit. Et je pense que mon compteur de mort va vite s'ouvrir, parce que, à mon avis, avec un cœur, je me prends n'importe quoi, je crois que je meurs. Donc, je pense que déjà ne pas mourir au bout des 2 premiers épisodes sera pas mal. Là, je vais mettre une petite torche au-dessus là pour bien indiquer où est l'entrée. Oh, j'en avais une là, c'est ça. Après, je sais que j'en avais une noire, mais je préférais la conserver. Hop. Donc là, on va creuser un peu par ici pour faire la partie nuit. Enfin, partie nuit, on va dire juste spawn. Tac, normalement, ça a dû respawn, ça a dû set mon spawn ici. Ou alors à la prochaine nuit. Je me mettrai dans le lit au moins pour être sûr. Alors, tac, on se fait une petite armure. Tac, et puis je vais me faire une épée. Ouais, et je suis déjà plein. Tac, 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 tac. Et vu que j'ai de quoi faire, je vais me faire aussi une pioche. Tac, j'en enlevais un. Donc il fait jour, donc Ah, c'était une vache, ok. Donc là, je pense qu'il va falloir que je commence par enlever toute l'herbe.
avec des bugs graphiques à tout va. Mais vu qu'on n'a pas l'intention de vivre dans le musée, parce que voilà, on passe pas la nuit, tout ça, il y aurait juste les cuissons qui vont être utiles et puis tout ce qui est partie enchantement. Donc je pense qu'au départ je vais faire juste un musée sans rien équiper. Et plus tard, soit on équipera le musée d'une petite maisonnette à côté, comme pour un gardien, avec qu'il me faut, on va dire, enchantement, potion, et il pleut. Ou alors, dans ce cas, je ferai juste, je continuerai à équiper le trou là, de la mine pour en faire la partie où ça sera la partie fonctionnelle. Donc je ne sais pas encore, pour l'instant ça restera le trou de la mine. Là ce que je vais faire c'est juste commencer à construire un peu le musée. Vu que j'ai déjà pas mal de stone sur moi, de cobblestone. Je pense que j'ai commencé par ça. Après il sera pas forcément ultra beau mon musée. Hein. Je pense qu'il sera fait en grosse partie de cobblestone. Voire peut-être à un moment donné de grès, mais... Tac. Sinon, je voulais le faire aussi en grande partie en vitre. Faire comme un grand dôme. Ou une grande pyramide, un peu comme la pyramide du Louvre. Mais... ça va être un poil trop rond à faire. Donc là, ça sera juste une partie. Après, on pourra le faire sous forme d'extension. Ça, c'est la partie qui va être pratique, je pense, du musée. C'est qu'on peut le faire partie par partie. Qu'on étendra au fur et à mesure. Hop. Faut que je mange encore. En plus, je crois qu'il recommence déjà à faire nuit. Tout ce qui est colorant, de toute façon, ça sera ultra important au cours de la saison parce que, avec tout ce que j'ai à colorer, ça va être un peu énorme. Hop. Et mince. Ok, bon. Voilà le début des murs, voilà la première partie, on va dire la première section du musée. Hop, voilà. On va juste se mettre dans le lit. Hop, on quitte comme ça. Il fait toujours nuit, je n'ai pas passé la nuit. Hop, personne n'a triché. Et au moins on est sûr que le spawn se fait ici maintenant. Donc voilà, donc... ça sera tout pour ce deuxième épisode de Minecraft Collection. Donc on a déjà récupéré un certain nombre de blocs. D'ailleurs je vais pouvoir faire tout de suite le bloc de fer. Donc j'y pense, hop, ça c'est fait. Et le bloc de charbon est fait aussi. Bon pour l'instant c'est toujours pas validé hein, vu que ils ne sont pas exposés. Mais au moins ils sont faits. Donc voilà, on aura un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu progressé. On a trouvé notre endroit où on va s'installer, on a délimité la première section du musée.
On a pas mal de bois, on a pas mal de choses à mettre une fois qu'on pourra, une fois que les murs et le toit seront faits. Donc tout ça, on va continuer dans le prochain épisode. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous.